Eh bien, écoutez, mon sentiment, c'est que c'est un forum très bien organisé, déjà, pour sa 33e année. Alors, soit c'est très vieux, soit c'est très jeune, c'est selon. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une expérience. Et le thème est important aussi, la mixité. Peut-être qui n'est pas toujours bien développée dans les métiers, parce qu'on dit infirmière ou on dit maçon, mais l'inverse, ce n'est pas toujours vrai. Donc, et je l'ai dit à chaque stand, la mixité, c'est important. Je pense que toutes les filles, tous les garçons peuvent faire tous les métiers. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de tabous. Je crois qu'il faut s'intéresser à tous les métiers. Et je pense que le forum de Gien, qui est un des forums les plus reconnus dans la région centre, plus de 1200 élèves qui viennent y participer, tous les établissements, je pense que c'est important que ce forum ait pris le thème de la mixité, qui est souvent oublié dans les métiers. On est un exemple sur Gien de ce qui doit se faire. Il n'y a pas un monde qui forme et un monde qui emploie. Il y a deux mondes qui sont au service de vous, de la jeunesse, pour l'intérêt de notre pays, pour permettre que justement chacun et chacune trouve sa place dans ce monde du travail important et qu'il n'y ait pas de monde scindé. Et Gien est un exemple, au travers du MEPAG, est un exemple de ce que peut être la coopération entre ces deux mondes qui pendant des années ne se sont pas toujours parlé et maintenant c'est fini. On est au service de la jeunesse, au service de notre pays et dans l'intérêt général.